Merci de me recevoir chez vous. Je reviens pour un autre live. Le premier a été signalé, ce n'est pas grave. Mais cette fois-ci, c'est pour vous parler d'une nouvelle triste. Un ressortissant camerounais a été assassiné par son rival policier pour sa femme. Les faits se sont passés dans la nuit d'hier à aujourd'hui au PK8 dans la banlieue de Libreville. D'après les premières informations, le policier à l'origine du drame entretenait une relation avec la femme du Camerounais. Informé par le voisinage de cette relation extra-conjugale, le ressortissant camerounais a mené une enquête jusqu'à attraper sa femme en flagrant délit avec le policier gabonais. Et une altercation a éclaté entre les deux rivaux. Acculé, le policier n'a pas eu d'autre choix que de sortir son arme et d'abattre froidement à deux coups de barre, deux coups de fusil sur son rival, et ce dernier est décédé sur le champ. D'après nos informations, les autorités gabonaises, en tête desquelles le procureur de Libreville, André Patrick Ropona, tente de cacher cette affaire, tout comme les responsables, les hauts responsables, les hauts gradés de la police gabonaise tentent d'étouffer cette affaire. Déjà, après l'annonce du drame, la communauté camerounaise est montée au créneau, mais il y a eu des menaces faites à l'encontre donc de ces ressortissants camerounais qui voulaient venger leur compatriote qui a été froidement assassiné, et injustement parce que c'est sa femme. On ne peut pas vouloir sortir avec la femme de quelqu'un et abattre cet homme lorsqu'il prend flagrant délit, la moindre chose serait faite, profite bas. Or là, ce policier s'est drapé de son statut de policier, il a utilisé son arme de service pour abattre son rival. Ce sont des choses à ne pas accepter. Les faits se sont passés au PK8 dans la banlieue de Libreville, et les autorités gabonaises tentent de cacher cette affaire. Il faut dénoncer. S'il y a des témoins sur place, on a besoin de témoignages, on a besoin des images.
parce que les journalistes qui ont été envoyés sur place pour faire des images ont été agressés par les autorités gabonaises qui ont confisqué leurs appareils, qui ne voulaient pas qu'on en parle. Un Camerounais est un humain, c'est un homme comme tout autre, il ne mérite pas d'être tué et on va protéger nos policiers. Ce sont les mêmes qui ont l'habitude de tuer et sur le lieu, un policier a dit aux gendarmes, a dit aux journalistes que nous avons tué en 2016, on ne nous a rien fait. C'est pas pour un Camerounais qu'on va être inquiété. Donc vous voyez le comportement de ces gens qui n'ont pas de cerveau. Donc ils encouragent du banditisme. Le procureur de la République encourage le banditisme. Parce que c'est un voyou, on reviendra sur son cas. On viendra le dépiauter, c'est rigolo, qui a été mis à la tête du parquet des villes, la première ville du pays. Donc il encourage tout ça. Donc un policier utilise son arme de service pour abattre son rival. Donc c'est normal au Gabon. Moi je suis choqué parce que je suis un citoyen du monde. Je ne peux pas accepter que cela se passe chez nous. Il n'avait pas à battre ces policiers. Il n'avait pas à battre cet homme. D'abord, il le coquifiait. On le prend en flagrant délit au lieu de faire profil bas parce qu'il est policier, il est là-bas. Voilà le comportement des Gabonais. Le comportement qu'on ne veut pas accepter. Et ce comportement qui est encouragé par les autorités gabonaises. Parce que ce monsieur mérite déjà d'être arrêté au lieu de le protéger. Il a utilisé l'arme de service. L'arme de service n'est pas faite pour qu'on s'en serve contre un rival. Il est dépositaire de l'autorité de l'État. Il ne doit pas utiliser son arme pour faire ça. Or là, vous avez le procureur de Libreville qui encourage ça. Vous avez le commandant en chef de la police qui encourage ça. Tous les hauts gradés protègent leur vie parce que c'est un Camerounais. Et ça, ce ne sont pas des choses acceptées. Je partageais cette vidéo même en milieu camerounais. Au moins qu'ils ne sachent que désormais, on ne peut plus se permettre de faire ça. Si les gens se sont comportés comme ça dans un passé récent, en prenant les autres communautés comme de moins que rien, ça doit prendre fin. Ce policier n'a pas de femme. Donc c'est la femme du Camerounais qui l'a trouvé. Et en plus, quand on le prend en flagrant délit, il sort son arme. Donc il n'a même pas de force. Parce que l'autre est venu se battre contre lui. Rien qu'avec des mains nues. Il n'avait pas une arme, il n'avait pas un couteau. Alors, donc c'est quoi cette légitime défense dont il voulait se prévaloir, qui a consisté à sortir son arme de service et à battre le rival? Ça, il ne faut pas accepter ça. Hein? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les citoyens du monde. Vous ne savez pas demain où va le Gabon. Et je vous l'ai dit, ce comportement-là va porter préjudice à beaucoup de Gabonais. Parce que si ça pète au Gabon, le pays où on peut se réfugier, c'est le Cameroun. Vous avez vu lorsque j'ai pris le chemin d'exil, c'est le Cameroun qui m'a sauvé. Donc on ne peut pas avoir de mauvais rapports avec les voisins. Ali Bongo a de mauvais rapports avec tout le monde. Il s'en fout. Mais c'est quelqu'un qui n'ira pas loin avec ses comportements. Donc nous exigeons au procureur, nous exigeons du procureur de la République qu'il fasse la lumière sur la mort de ces Camerounais-là et que ces policiers soient traduits devant la justice et punis pour qu'ils prennent la réclusion criminelle. Il a fait. Il savait très bien qu'en utilisant son arme, c'est pour tuer quelqu'un. Il avait tort. On le prend en flagrant délit. Il sort son arme pour abattre le rival. Ça ne doit pas se passer chez nous. Le Gabon doit être un état de droit. Le Gabon siège à la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Et les droits de l'homme, c'est respecter aussi, justement, la dignité humaine, respecter la vie humaine. On ne doit pas refroidir l'autre parce que tout simplement. On se croit, on est chez nous, pas parce qu'on est chez soi qu'on peut se permettre de tuer les autres. Voilà. Donc tu ne peux pas, c'est toi qui voles la femme de l'autre et c'est toi qui tues encore le rival. Vous avez vu ça? Alors si vous voyez ce policier debout, si vous le voyez qu'il est en liberté, alors il faut régler ses comptes. Je peux faire vous le dire, le Gabon n'est plus un état de droit. Le Gabon n'est plus un état, n'est pas un état de droit. Donc si vous voyez ce policier-là, on va le retrouver, on retrouvera son identité. De toute façon, on aura son identité et on aura ses photos. On aura son identité et ses photos. Et si ce policier est dehors, il faut le refroidir. C'est comme ça. Les bandits, les choses des bandits doivent se régler en bandits. Les choses des bandits doivent se régler en bandits. Comme le Gabon est dirigé par des voyous, voilà le procureur qui protège. Car il y a des gens qui vont le voir et non, tu n'as pas parlé de ça. Alors, donc, ce n'est pas un fait divers. On parle d'autres crimes. Donc, parce qu'on a tué un Camerounais, alors, donc, les Gabonais, les journalistes gabonais ne doivent pas parler de ça. On n'est pas là aux bêtises. Surtout pas moi.
Donc, l'information contenue sur Facebook et YouTube, on mettra la lumière sur ces policiers-là. On saura son nom. On saura son nom. On aura sa photo et on va l'afficher. Si vous le voyez, il faut lui régler les comptes. Parce qu'il faut éviter d'être complice des choses qui vont nous retomber demain. Ça va nous péter. Si on continue à soutenir des bêtises, si on continue à soutenir l'insoutenable, ça va nous porter préjudice. Parce qu'un seul âne a mangé la farine, mais tous en ont le museau blanchi. Un seul âne a mangé de la farine, mais tous en ont le museau blanchi. L'information continue sur Facebook et YouTube. À plus tard. Kundi enanga o, kundi enanga o, kundi enanga o.